Yo tout le monde, bienvenue sur DBTimes, vos vidéos sur Dragon Ball Super. On se retrouve avec le chapitre 89 qui va sortir dans une semaine. Comme vous le savez, si vous êtes coutumier du fait, si vous êtes abonné notamment, vous savez qu'on revient sur les ébauches qui nous sont présentées officiellement sur le site de Dragon Ball News, le site officiel de Shueisha, hein, tout simplement. Et cette fois, ils nous livrent non pas 10 pages. Non. Non pas 11 pages. Non. 7 pages. 7 pages, voilà. Pas beaucoup. Un petit peu de croustillance, mais... C'est pas, voilà, on va pas sortir de là repu des informations qu'on va avoir. Quoique, il y a de belles surprises, on est là pour en parler ensemble. Comme d'habitude, abonnez-vous les amis, voilà, qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne de passion. Parce qu'en plus, semaine prochaine, il y a rendez-vous. Il y a forcément le chapitre, Léo l'a dit. Eh oui. Donc très certainement, je pense que ce sera le 20, si je dis pas de bêtises. Petit live jeudi ou vendredi. Vous avez l'habitude, il sort officiellement sur Manga Plus en anglais. Et le jour J, le jour de la sortie du chapitre, on vous fait évidemment un débriefing. On parle ensemble du chapitre, vous nous donnez vos avis par rapport au chapitre. On échange tout ça. Là, on va revenir sur les ébauches. Hein. Du coup, c'est les 7 premières pages en japonais qui sont teasées. C'est pas la version finale, mais on a déjà... voilà, on se rend bien compte de quoi il s'agit. Dès le début du chapitre, c'est bien, on rentre dedans, dans le vif du sujet, ce qu'on attendait, la révélation de la fin du chapitre 88, rappelez-vous. Le disque dur qu'avait trouvé Trunks, le disque dur, les data, hein, les données qui étaient sur ce disque, que contiennent-elles? Eh bien, on se rend compte qu'en fait, Trunks galère, il n'arrive pas à décoder les données. Du coup, il passe sur le PC de sa mère, il se dit, bon, sur le PC de ma mère, j'arriverai un peu plus. Il voit, pour nous, c'est celle. Il voit une étrange créature, en tout cas. Il y a des données qui s'affichent, il y a un code ADN et tout ça. Bon, clairement, ceux qui avaient théorisé des informations sur Cellmax, à mon avis, c'est tout à fait ça. Mais ouais, ça veut dire que Hedo avait dû commencer à bosser sur le truc avant, en fait. Ouais, ça explique pourquoi il soit noté Dr. Gelo, du coup, sur le CD, puisque c'est des données de Gelo qui créait Cell, et peut-être que Hedo, du coup, a travaillé sur ça pour l'améliorer encore plus, avec des données qu'il a rajoutées, voilà. Bon. Rien de très étonnant, je t'avoue que c'est un petit peu un pétard mouillé me concernant. Je m'attendais à quelque chose de plus important, et c'est ce que j'avais dit, quelque chose qui aurait pu être maintenant, voilà, comment je peux dire ça, une intrigue, et qui se reporte post-film, parce que ça c'est le, vous savez, c'est ce qui se passe avant le film, hein. C'est un préquel au film. Donc là je me dis, ouais, bon, ça fait un lien direct, mais j'ai peu d'espoir pour que ce document-là serve en post-film. Bon, voilà, c'est pas étonnant. Mais j'espère qu'il y aura d'autres choses qui viendront à arguer ce que je viens de dire, donc on verra. D'autant plus que là, en plus, avec ses recherches sur l'ordinateur de sa mère, Trunks, il déclenche un virus, hein. On voit Hedo qui s'affiche, plein de Hedo qui s'affiche sur l'écran, où il fait bœh, il tire la langue, etc. Et du coup, gros virus dans son PC, Bulma arrive à ce moment-là. Elle fait « Mais qu'est-ce que tu fiches ?» etc. et tout. Bon, elle pète un câble parce qu'il utilise son ordinateur, et elle se dit « Bon, t'as encore cassé le tien, qu'est-ce que t'as fait, quoi ?» Et heureusement, il y a Bra qui arrive, donc on découvre Bra tel qu'on la voit à la fin de Dragon Ball, donc le manga je parle, et à la fin de DBZ, donc Bra quasiment 4 ans, et on découvre ses compétences pour la première fois. C'est-à-dire, c'est un moment historique ce chapitre, rendez-vous compte, et je le dis à moitié seulement en rigolant, hein. Parce que ce personnage qui, en fait, dans Dragon Ball, même dans Dragon Ball GT en fait, hein, bah elle fait rien, elle est là, elle est, c'est juste, c'est la fille de Bulma, de Vegeta, c'est tout, voilà. Il n'y a pas d'autres informations sur elle. Bah là, on lui découvre une compétence qui pourra éventuellement, hein, servir dans le futur de Dragon Ball sous quelque manière que ce soit. Elle est douée en informatique comme sa mère, hein. Rappelez-vous les flashbacks qu'on avait dans Dragon Ball Super qui nous rappelait Jacko de Galactic Patrol Man, où on voyait, pour ceux qui n'ont pas lu ce manga qui se passe avant Dragon Ball, c'est un préquel du coup, on voyait Bulma, âgée de 4 ans justement, qui savait réparer le vaisseau spatial de Jacko. Et le piloter aussi. Bah là, pareil, Bra, elle sait réparer l'ordinateur qui est atteint d'un virus. Donc on voit qu'elle tient plus de sa mère que de son père. Hein. Et Bulma, justement, par rapport à ça, dit « Toi, t'es plus comme ton père, t'es doué pour casser les trucs à Trunks. » Ouais, et c'est intéressant parce que tu as mis le doigt sur quelque chose. La nouvelle génération, ça peut donner naissance à tellement de choses. S'il y a 4 ans, elle est déjà capable de virer un virus, etc., de gérer un truc, son frère, il est totalement dépassé. Ça en dit long de ses possibles capacités dans ce domaine-là à 16 ans, 18 ans, 20 ans, je sais pas, s'ils veulent surfer dessus.
Et du coup, ça peut donner même naissance à des situations d'où, genre, bah, qu'est-ce que tu fais là, mais tu ressembles à Bulma, c'est toi Bulma. Ben non, c'est le portrait craché de sa mère, en fait. Hein, c'est moi, c'est Bras. Tu vois, des trucs voilà, qu'on pourrait retrouver. Ah, ça serait plaisant d'avoir, tu vois, ce qu'on avait dans Dragon Ball GT était une bonne piste, mais moi, ça m'avait pas plu à l'époque. Le truc de l'onde brute qui permet à Vegeta de refaire repousser sa queue et de se transformer en singe géant. Ouais. Je trouvais ça un peu facile. Ouais, c'est facile. Mais disons que ce postulat de Bulma qui sert l'intrigue et qui, du coup, sert le combat hein, et sert la révolution du combat, le retournement de situation et tout ça. Là, elle servait Vegeta du coup. Bah, on pourrait l'avoir avec Bra. Mmh. Bra qui est du le côté scientifique, bim bam boum, elle aide en parallèle et tout ça. On a des animés comme ça, des animés des années 2000 hein, pour les connaisseurs. Mettez vos références dans les commentaires. Mais avec justement des supports et des trucs comme ça, on a même des séries américaines qui font ça. Et en combat, bah, des guerriers comme Trunks ou Goten et des trucs comme ouais. ça. Elle pourrait limite même piloter un vaisseau si tu voulais justifier d'aller dans l'espace et tout. Tu vois, enfin... Bon, y a des choses à faire, du coup, avec rien qu'un petit élément comme ça. Ça, c'est super intéressant. Et toujours est-il que, bah, dans la foulée, on a Bulma qui met le doigt sur ce qui lui semble à ce moment-là, pour elle, le plus important. C'est la scolarité de Mai. Elle dit à Trunks, dépêche-toi, sois pas en retard. Mai, elle commence aujourd'hui les cours. Donc, voilà, vous allez aller au lycée. Parce que, bah, voilà, elle a physiquement... l'âge et l'allure, on le sait, d'une fille qui est censée aller à l'école, et avant que ça commence à être chelou qu'elle y soit pas, bah, faut qu'elle y aille. Donc, comme quoi, voilà, il y a beaucoup de débats sur Mai et tout ça, des débats utiles hein, et d'autres moins, mais on voit quand même que c'est au centre de la considération un peu... C'est, faut dire c'est un peu la mentalité japonaise, tu vois. S'il y a une lycéenne, en tout cas en apparence, qui travaille à Capsule Corporation... Tu vois, tu dis l'emploi, mais elle va même pas à l'école et tout ça. Ça peut faire naître des rumeurs, tu vois. Ouais, c'est donc, c'est assez logique, finalement. Du coup, elle arrive en classe, elle est présentée. Toujours le même vieux professeur. Hein. Là, cette fois, il change pas. Elle est, semble-t-il, bien accueillie, puisqu'on a carrément les potes de... Comment dire de Trunks qui s'intéressent de près à Mai. Lui, ça lui plaît pas trop. Hein. Tu le vois, ouais. Que ce soit sur la route ou là, t'as Skell qui fait « Ouais, Mai, t'as un petit copain et tout. » Il fait « Mais d'où qu'elle aurait un copain, n'importe quoi, toi et tout. » Et il fait obstacle. Il est pas... Hein. Jealous, il est très jaloux le petit Trunks, et il va l'être d'autant plus puisque on nous présente un nouveau personnage très mystérieux qui s'appelle Beta, donc Beta comme la lettre grecque, et on voit tout de suite que Rula, donc une des élèves, un peu comme Ireza quand elle voit Gohan, s'intéresse à lui et l'invite à venir s'asseoir à côté de lui pour lui expliquer un peu comment ça va se passer. Ouais, donc bah là, écoute, on utilise ce cahier, on est à telle leçon, etc. Comme avec Gohan, en fait, pareil. Sauf que. Fin de nos ébauches. Ah. Il y a des problèmes, parce que déjà Mai, elle jette un petit regard sur ce personnage. Trunks, il fait que ça fait. J'aime bien son. Ça fait. ça paraît rien, mais moi, la tête de Trunks, il fait que ça fait. Pourquoi regarde? Ça me fait rire. Et du coup, bah, il est obligé de faire son beau. Voilà, il est obligé de montrer que c'est lui le plus fort. C'est la danse. Primaire, j'ai envie de dire, voilà, que t'as deux animaux là, limite, c'est comme un pan, c'est à celui qui fera la plus belle danse de la séduction pour séduire madame, voilà, il doit être le meilleur au sport, tu vois, il montre qu'il est chaud du basket, quoi, tu vois. C'est Tolangsu no basket, c'est plus Kuroko là, c'est autre chose. Alors on voit que Compass il se fait éliminer, il fait mais Trunks, qu'est-ce qui se passe, t'es super chaud du basket là, t'es. C'est ça voix en VF, hein, mais c'est sûr, c'est ça vu sa tête. Et puis Trunks il dit ouais, non, c'est juste que d'habitude je me retiens un peu, tu vois. Mais c'est vrai, hein. Trunks, forcément, s'il va au lycée, un lycée normal, il se retient de ouf. C'est logique, le gars il a des capacités surhumaines, normalement il surdomine tout le monde. Donc ça prouve bien quand même une chose, il est beaucoup plus doué que Gohan pour se retenir. Parce que Gohan, il avait quand même quelques difficultés, notamment au baseball et tout ça. Là, Trunks, il y arrive, et il arrive à... Certainement, peut-être même... voilà, c'est une supposition, ça, c'est pas dans le manga, n'allez pas rapporter ça comme un fait, mais peut-être que l'entraînement de la fusion, où il devait lui-même, c'était lui qui devait s'ajuster sur Goten, qui était plus faible, il devait ajuster son ki et tout ça, certainement que ça lui a permis de manager correctement... avoir une bonne gestion de l'équilibre de son énergie. Peut-être que justement, il arrive à, voilà, à se mettre au minimum. Et puis là, bon, il veut épater Mai. Donc c'est pour ça qu'il fait le beau gosse et tout. Fait genre, je suis chaud du basket et tout. Alors que d'habitude, il se fait passer pour un nul, quoi. Même toutes les filles, là, elles sont tous en mode... Genre, allez, vas-y, Trunks. Il a ses majorettes, là. Il a déjà son fan club. Et là, dernière case, Mai, elle semble voir quelque chose qui, pour moi, n'a rien à voir potentiellement avec Trunks. Je pense pas. Et on n'a pas la suite.
Supposition, à mon avis, elle a remarqué que Beta, sur un autre... Non, mais quel rapport, mais qui... Pourquoi il ferait ça? Non, mais c'était une vanne que quel je... Quel rapport, pas, mais... ça. Quel rapport? Si je le mets, je le laisse. À mon avis, elle remarque que Beta, sur le terrain ou sur le terrain d'à côté, genre le terrain de foot ou que sais-je, il est en train de faire le beau gosse aussi. Ouais, le... Il est en train de dribbler toute l'équipe et de marquer un but. À mon avis, elle remarque qu'il y a un truc louche avec lui. Et moi, ma supposition, quand j'avais vu les pages, avant de les avoir en HQ, donc de pouvoir déchiffrer le texte, hein, parce qu'on parle japonais certes, mais quand c'est en trop petit, on peut pas voir. Je supposais que Mai, en fait, allait au lycée pour enquêter sur Beta. Je me suis dit, c'est un gars louche. Et en fait, elle y va pour enquêter. D'ailleurs, c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que Bulma nous le dit pas et elle se cache sous la couverture de « Ouais, il faut juste qu'elle aille au lycée, sinon c'est bizarre. » Et peut-être que Mai, comme j'avais supposé, c'est une infiltrée, mais bon. Je pense que le tilt, en tout cas, sur le tilt de Mai n'est pas tant sur Trunks. Parce qu'elle sait, sa force. Ça fait je sais pas combien d'années qu'elle le voit, elle n'a plus rien à foutre. Tandis que là, elle va voir Beta, elle va se dire que s'y fait, lui. C'est peut-être un humain artificiel, Beta. T'imagines? Bah, c'est possible, parce que... Gamma 1, gamma 2, alpha, bêta, gamma, d'après, et bêta, c'est peut-être... Ouais. Soit c'est un humain artificiel au même titre que numéro 17 et numéro 18, hein, du coup on ne ressent pas... c'est un humain modifié, tu vois, mais on ressent pas son ki. Le Trunks est tellement focus sur Mai qu'il a même pas quitté, qu'il y avait rien qui émanait de ce gars. Mmh. Soit c'est totalement... c'est vraiment un humain artificiel, mais... robot de A à Z, mais à l'apparence... Je pense que ça va être lié effectivement à l'intrigue de Hedo. Parce que c'est un arc quand même super-héros avec Trunks au centre. Rappelez-vous cette vidéo où on a l'interview de Toetalo qui dit bien que Trunks est le personnage central. Et oui, effectivement, t'as les gammas, t'as Beta, hein, qui doit intervenir à un moment donné. Je sais, je vais avoir une idée. Dernier chapitre. Fin du chapitre, on sait que Hedo il tombe sur l'écusson de l'école. Et si oui, il veut infiltrer l'école. C'est logique. Ils sont dans l'école. Mmh. Et je vais prendre un humain artificiel, je vais lui donner l'allure d'un écolier. Et puis en fait, tous ses yeux, c'est des caméras, il analyse tout à distance. Ah, c'est ça. Sûr, c'est ça. Ah, c'est ça. De toute façon, Beta, c'est pas au hasard. Hein. Enfin, c'est pas un nom dû au hasard. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on trouve ça plutôt intéressant pour commencer le chapitre. Effectivement, on peut avoir un petit truc de... Comment dire? Un petit truc de filature, un petit truc d'infiltration. Ça me plaît bien, ce truc-là. On verra ce que ça va donner dans les prochaines pages. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et à très vite sur DBTimes, si vous êtes abonné. À très vite. Ciao. Matane.